On a besoin de vous. Vous êtes au courant de ce que prépare le gouvernement en douce pour nos pensions? Spoiler, ça n'a rien à voir avec leurs promesses pendant les élections. Avec les socialistes, il n'y a pas d'ambiguïté. Nous ramènerons l'âge légal de la pension à 65 ans. On n'a pas besoin de ce genre de mesures d'obliger les gens à devoir travailler jusqu'à 67 ans. Qu'est-ce qu'on retrouve dans l'accord de gouvernement? Le contraire. Jusqu'au bout, le gouvernement veut faire les travailleurs. Vous êtes au courant que l'âge de la pension reste à 67 ans? Vous êtes au courant que le gouvernement veut doubler le nombre de travailleurs âgés alors que la plupart ne savent plus suivre? Vous êtes au courant que même pour les métiers pénibles, ils ne veulent pas faire d'exception pour les départs en pension? Vous êtes au courant qu'ils veulent supprimer le droit à la pension minimum pour toute une série de travailleurs? Vous êtes au courant que les femmes vont être les premières victimes de cette attaque? Non, bien sûr que vous n'êtes pas au courant, puisqu'ils préparent ça dans notre dos pour nous le balancer dans la figure en septembre. Leur vision de société à ces ministres qui touchent 8000 euros par mois, c'est qu'on passe directement du travail à la pierre tombale. On se retrouve dans un système complètement débile, avec d'un côté des travailleurs fatigués, malades, forcés de bosser jusqu'à épuisement, et de l'autre des jeunes travailleurs qui ne demandent qu'une chose, avoir un vrai job, stable, avec un bon salaire. Ces attaques n'ont pas seulement lieu en Belgique, mais dans toute l'Europe. Heureusement, il y a déjà des victoires. Par exemple, en Croatie, en Pologne ou encore au Canada. Ici, en Belgique, on doit et on va monter au créneau pour nos pensions. On a besoin de vous. Première étape, signez la pétition et restez au taquet pour la suite.